The James Webb Space Telescope is upsetting the apple cart. All of a sudden, we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. Le télescope spatial James Webb, JWST, vient de révéler l'une des galaxies les plus anciennes jamais observées. Une révélation si monumentale qu'il n'y a pas de retour en arrière. Que nous dit cette ancienne galaxie sur les origines de l'univers ? Rejoignez-nous pour explorer cette découverte stupéfiante et ses implications pour notre compréhension de l'espace et du temps. Préparez-vous pour un voyage inspirant aux confins les plus éloignés du cosmos. Dans cette exploration captivante des complexités de l'astrophysique, nous découvrirons pourquoi l'univers pourrait être beaucoup plus vieux. Nous dévoilerons également les prévisions audacieuses faites par des esprits visionnaires il y a un siècle. Voyons pourquoi les scientifiques ont déclaré qu'ils avaient tort et que l'univers a en réalité 27 milliards d'années. L'enquête sur l'âge de l'univers est un pilier fondamental de la cosmologie. C'est une quête profonde pour comprendre combien de temps l'univers s'est étendu depuis le monumental Big Bang. Cet événement explosif a donné naissance à tout ce que nous pouvons observer dans le cosmos aujourd'hui. Au cours de l'histoire, l'âge de l'univers a été l'objet de débats intenses, même au sein de la communauté scientifique. Cependant, le consensus contemporain parmi la plupart des cosmologistes indique que l'univers a environ 13,8 milliards d'années, avec une incertitude de moins d'1% concernant la durée de son expansion depuis le Big Bang. Déterminer cette période implique généralement deux méthodes principales. La première méthode consiste à évaluer le taux d'expansion de l'univers en utilisant la constante de Hubble, une mesure dérivée de l'observation de la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent de nous. En estimant ce mouvement, les scientifiques peuvent approximativement déterminer le temps que les galaxies ont mis pour atteindre leurs positions actuelles. La seconde méthode implique l'examen des étoiles anciennes dans l'univers, trouvées dans des entités telles que les amas globulaires. Les scientifiques peuvent déterminer leur âge avec un haut degré de certitude en analysant des facteurs tels que la luminosité, la couleur et la vitesse de rotation de ces étoiles anciennes. En utilisant ces méthodes, les astronomes établissent un âge minimum pour l'univers, éclairant ses origines. Les deux méthodes fournissent des preuves convaincantes que l'univers a environ 13,8 milliards d'années, avec une marge d'environ 21 millions d'années. De plus, cette estimation d'âge s'aligne avec de nombreuses autres observations et modèles concernant l'état actuel de l'univers. En particulier, elle correspond bien aux données sur la radiation cosmique de fond, représentant les premières signatures lumineuses que nous avons capturées de l'univers après le Big Bang. Cependant, malgré l'unité des résultats de ces modèles cosmologiques, certaines observations astronomiques spécifiques défient cet âge estimé de l'univers. Certaines découvertes sont en contradiction, remettant en question notre compréhension actuelle. Un exemple significatif est l'étoile identifiée comme Méthusalem. Dans une étude publiée en 2013, les scientifiques ont calculé que l'âge de Méthusalem est de 14,5 milliards d'années, dépassant l'âge largement accepté de l'univers. Les critiques de la théorie du Big Bang soulignent souvent cette anomalie comme une possible imperfection dans notre compréhension des origines cosmiques. Bien que l'existence de Méthusalem puisse sembler en contradiction avec la théorie du Big Bang, les critiques négligent souvent un facteur crucial, la certitude. Un calcul plus précis place l'âge de Méthusalem à 14,45 milliards d'années, avec une incertitude de 0,8 milliards d'années. Avec le temps, ces mesures deviennent de plus en plus précises. Cependant, l'estimation actuelle tient compte du moment présent. En supposant l'incertitude maximale de 0,8 milliards d'années, Méthusalem se situe dans la fourchette d'âge reconnue de l'univers, environ 13,65 milliards d'années. Mais, si l'incertitude est considérée dans la direction opposée, l'étoile dépasse de manière marquée nos estimations existantes, posant un défi significatif au modèle cosmologique actuel. Une autre complication récente pour les astronomes est une découverte faite par le télescope James Webb. Il a découvert un amas de galaxies qui, selon les estimations,
se sont formées seulement environ 300 millions d'années après le Big Bang. Bien que cette période s'aligne avec l'âge estimé actuel de l'univers, la jeunesse de ces galaxies défie nos préconceptions sur la formation de galaxies de cette ampleur. La sagesse conventionnelle concernant la formation des galaxies suggérait que leur existence à ce stade était peu plausible. Elles semblaient plus avancées dans leur développement que ce qui avait été jugé possible à cette époque de l'univers. Remarquablement, elles ont supporté une intense radiation et des collisions avec d'autres corps célestes. En conséquence, ces galaxies ont reçu le surnom de galaxies impossibles. Le sentiment dominant de ces découvertes a suggéré la nécessité pour les cosmologistes de réévaluer leurs modèles concernant la formation précoce des galaxies, et certains ont remis en question l'exactitude des résultats du JWST. Cependant, que se passe-t-il si nos hypothèses actuelles sont incorrectes? Et si ces étoiles et galaxies essaient de nous dire que notre compréhension de l'âge de l'univers est fondamentalement erronée, mais que nous hésitons à le reconnaître? Le nom de Rajendra Gupta était relativement inconnu jusqu'à récemment. Cependant, cela a changé, car Gupta, professeur de physique théorique et de cosmologie à l'Université d'Ottawa, est sur le point de faire histoire. Il est le seul à offrir deux explications cohérentes pour l'existence de dizaines de galaxies jugées impossibles aux limites extérieures de l'univers connu. L'approche de Gupta pour la résolution est simple, fondée sur deux théories connues depuis un siècle mais qui n'étaient pas prises au sérieux à l'époque. Si les propositions de Gupta s'avèrent exactes, nous devrons peut-être nous adapter à un nombre entièrement nouveau pour l'âge de l'univers. 27 milliards d'années. Avec une incertitude d'environ 40 millions d'années, Gupta étaye ses affirmations avec des preuves convaincantes. Les implications de cette découverte seraient profondes pour la communauté scientifique. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui ont longtemps adhéré à la théorie du Big Bang et à l'estimation prédominante de l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années. Si l'étude de Gupta s'avère précise et confirme un âge minimum de 27 milliards d'années pour notre univers, les implications seraient monumentales pour notre compréhension du cosmos. De nombreuses théories et modèles existants devraient être réévalués. Certains se révéleraient incorrects, tandis que d'autres pourraient être révisés et mis à jour. Cela ne se traduirait pas seulement par une charge de travail accrue pour les scientifiques. Ces avancées pourraient également offrir une opportunité de répondre à des questions et des mystères de longue date sur l'origine de l'univers qui nous ont échappé jusqu'à présent. Par exemple, un mystère persistant en cosmologie tourne autour de ce qui existait avant le Big Bang. Si le Big Bang a marqué le début du temps et de l'espace, la question de ce qui l'a précédé ne semble pas très sensée. Cependant, une compréhension plus approfondie devient impérative si le Big Bang n'était pas le début absolu, mais plutôt une transition entre des univers ou le début d'une multitude d'univers. Peut-être qu'il y avait un univers préexistant avant le nôtre, ou notre univers s'est formé dans une structure beaucoup plus grande, quelque chose comme une entité ancienne, semblable au multivers, avec des univers parallèles et des galaxies plus anciennes que notre univers. Que se passerait-il s'il y avait des étoiles et des galaxies éparpillées dans le cosmos qui précèdent l'existence même de l'univers? Le concept peut sembler paradoxal, et en effet, il l'est. Cependant, ces observations ne sont pas de simples spéculations, mais basées sur la réalité. Comme mentionné précédemment, une étoile solitaire, Méthusalem, a défié l'âge attendu de 13,8 milliards d'années. Les chercheurs ont initialement lutté avec la possibilité d'une erreur de mesure, dans une tentative de rationaliser cette anomalie. Puis, en juillet 2023, le télescope spatial James Webb a fait des observations surprenantes. Des dizaines de galaxies, apparemment plus anciennes que prévues, ont émergé dans son objectif. Ces galaxies auraient existé seulement 200 ou 300 millions d'années après le présumé Big Bang. De manière intrigante, elles ont montré un ordre et une luminosité extraordinaires, des caractéristiques typiquement associées aux galaxies évoluant au premier stade de l'univers. Ordinairement, les galaxies nécessitent des milliards d'années pour se développer.
Lorsque les scientifiques retracent la chronologie de développement de ces galaxies apparemment avancées, elles semblent précéder l'âge de l'univers. Alors que certaines spéculations envisagent la notion de ces galaxies comme des « développeurs turbo », de telles explications manquent de considérations sérieuses. Les révélations du télescope James Webb suggèrent une narrative différente qui remet en question la croyance établie sur l'âge de l'univers ou même la réalité même du Big Bang. En présentant sa solution, Rajendra Gupta a suscité l'enthousiasme parmi les scientifiques depuis l'été 2022. La perspective d'une nouvelle vision du monde défie les théories enracinées auxquelles de nombreux chercheurs se sont accrochés, entraînant une réévaluation des croyances établies. Alors que les scientifiques luttent avec la possible perturbation de leur compréhension actuelle, les nuits blanches pourraient devenir plus courantes. Malheureusement, tous les astronomes et cosmologistes ne sont pas prêts à accepter ces découvertes comme transformantes. Certains s'accrochent encore à des explications plus anciennes, résistant à l'appel à l'innovation. À la suite des observations de James Webb, Rajendra Gupta s'est distingué de ceux qui rejetaient les possibilités comme impossibles. Il a rapidement proposé une explication plausible. Gupta s'est inspiré d'une théorie formulée par le scientifique suisse Fritz Zwicky dans les années 1920. Les recherches de Zwicky sur le décalage vers le rouge des galaxies l'ont conduit à des conclusions divergentes de celles de ses contemporains comme Edwin Hubble et Georges Lemaître. Alors que la lumière se déplace à travers l'espace, son spectre passe du blanc au rouge sur de longues distances, ce qui fait que les galaxies les plus anciennes apparaissent rouges dans les images cosmiques. En revanche, les étoiles les plus proches émettent une lueur blanche ou bleu-blanc. Edwin Hubble a discerné plus que la simple distance dans le décalage vers le rouge, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives en astrophysique. Croyant avoir des preuves que ces anciennes galaxies non seulement étaient présentes, mais s'éloignaient aussi de nous, cette observation a conduit au développement de la constante de Hubble, décrivant le taux auquel l'univers se dilate. Cependant, bien que ce soit une pierre angulaire de la théorie du Big Bang, l'expansion elle-même n'a pas encore été prouvée de manière concluante, et le scepticisme persiste. Néanmoins, la notion prédominante est que l'univers s'est continuellement étendu depuis le Big Bang, une idée que Fritz Zwicky a interprétée différemment. Zwicky était convaincu que la lumière perdait de l'énergie au cours de son long voyage à cause d'interactions avec d'autres particules, ce qui entraîne un décalage vers le rouge. Il est important de noter que ce mécanisme ne suit pas une expansion de l'univers et semble incompatible avec le modèle cosmologique standard. Cependant, le professeur innovant d'Ottawa, Rajendra Gupta, propose une solution même dans ce contexte. Selon l'expertise de Gupta, la théorie de la lumière fatiguée s'aligne parfaitement avec les modèles standards existants. Pour étayer cela, il utilise une autre théorie provenant de 1937. L'hypothèse des constantes variables, proposée par le physicien britannique Paul Dure, postule que certaines constantes utilisées pour décrire les forces et les masses des particules ne sont pas éternellement fixes. Elles changent plutôt progressivement avec le temps. En combinant cette notion avec l'hypothèse de Dure, Gupta introduit un modèle novateur qui aborde certains des puzzles et mystères les plus profonds de la cosmologie. Le modèle de Gupta explique l'existence d'étoiles et de galaxies qui semblent plus anciennes que l'univers en étendant leur période de formation et d'évolution. De plus, il explique pourquoi certaines galaxies sont plus petites que prévu, attribuant leur masse réduite à la perte d'énergie par la lumière. Notamment, le modèle de Gupta remet en question la constante cosmologique, un paramètre utilisé par les scientifiques pour calculer l'âge de l'univers. Cette constante décrit l'expansion accélérée de l'univers, un phénomène attribué à l'énergie noire. Gupta remplace la constante cosmologique par un terme novateur basé sur des constantes variables montrant un impact significatif sur notre estimation de l'âge de l'univers. Selon ses calculs, un âge de 27 milliards d'années semble le plus probable, avec 40 milliards d'années également dans le domaine des possibilités. Cependant, la solution apparente des constantes variables introduit de nouveaux défis, et les scientifiques ne célèbrent pas encore. La raison est simple.
la théorie des constantes variables de Dur soulève de nouveaux problèmes. Si le comportement des particules subit des changements aussi dramatiques avec le temps qu'il en résulte des erreurs de calcul, notre capacité à comprendre l'univers primordial diminue considérablement. La théorie de la lumière fatiguée de Zwicky, à elle seule, ne suffit pas à expliquer les observations de Webb car elle manque du composant essentiel d'expansion. Par conséquent, en parallèle avec la théorie de la lumière fatiguée, Gupta introduit la constante de couplage covariant, ou le modèle CCC. Selon ce modèle, les constantes fondamentales telles que la vitesse de la lumière, la constante de Planck et la constante gravitationnelle ne sont pas fixes dans le temps. Au lieu de cela, elles subissent des variations, étendant ainsi la chronologie de l'évolution de l'univers. En combinant le modèle CCC avec l'hypothèse de la lumière fatiguée, le travail de Gupta introduit une perspective distinctive sur les défis des observations des galaxies primitives. Cette approche diverge du modèle LCDM, où une constante lambda explique l'univers en expansion accélérée. Au lieu de cela, le modèle CCC introduit une autre constante pour tenir compte de l'évolution dynamique des constantes fondamentales au cours du temps cosmique. Un examen plus approfondi est nécessaire pour évaluer quel modèle s'aligne le mieux avec les observations. Gupta explore diverses possibilités, y compris le modèle de lumière fatiguée isolée, la combinaison de la lumière fatiguée avec le modèle CCC, la combinaison de la lumière fatiguée avec le modèle LCDM, le modèle LCDM seul et une itération alternative du modèle de lumière fatiguée. Les combinaisons de CCC plus TL et LCDM plus TL sont particulièrement significatives en raison d'un graphique convaincant. Le graphique illustre la relation entre le décalage vers le rouge et la taille angulaire des galaxies. Les marques bleues désignent les galaxies observées à différents décalages vers le rouge avant le télescope spatial James Webb, tandis que les marques rouges représentent les galaxies observées par Webb. Les courbes montrent comment la taille angulaire des galaxies varie selon les différents modèles. Notamment, le modèle LCDM actuellement accepté, représenté en vert, présente un retournement à un décalage vers le rouge d'environ 1,5, divergeant significativement des galaxies observées au-delà de ce point. En revanche, le modèle CCC plus TL, représenté par la ligne bleu foncé, montre une réduction graduelle de la taille angulaire au-delà de Z, supérieure à 10. Ce modèle est en accord avec les observations faites par des télescopes antérieurs au James Webb et correspond aux galaxies de haut décalage vers le rouge observées par le JWST. En plus de comparer les modèles théoriques avec les données observationnelles, l'analyse a également impliqué l'examen des tailles physiques prédites des objets par chaque modèle. Fait intéressant, le modèle CCC plus TL a également montré un avantage à cet égard. Selon ce modèle, les tailles des objets à des décalages vers le rouge plus élevés ont été déterminées comme étant de 15 à 20 fois plus grandes que ce que le modèle LCDM plus TL prédisait. Cette divergence dans la taille des objets offre une explication plausible pour la masse substantielle observée des galaxies à haut décalage vers le rouge, renforçant encore la crédibilité du modèle CCC plus TL pour aborder les défis posés par les observations de l'univers primordial. Selon le modèle CCC plus TL, l'univers aurait 5,8 milliards d'années à un décalage vers le rouge de 10 et 3,5 milliards d'années à un décalage vers le rouge de 20. Cette période de temps étendue présente plus d'opportunités pour que les galaxies se forment et évoluent en structures substantielles et lumineuses, offrant une justification plus convaincante pour les caractéristiques observées des galaxies à haut décalage vers le rouge. Parmi tous les modèles de base et hybrides examinés dans l'étude, le modèle CCC plus TL possède un pouvoir explicatif supérieur. L'amalgame de l'hypothèse de la lumière fatiguée et du concept de constante de couplage covariant dans ce modèle a permis un alignement plus précis avec les données observées. Si l'univers adhère au modèle CCC plus TL, son âge estimé serait d'environ 26,7 milliards d'années. Cela défie les calculs précédents et suggère la possibilité d'une réévaluation de notre compréhension de la chronologie de l'univers. Cependant, des examens et explorations supplémentaires
sont impératifs pour consolider ces résultats. Actuellement, les scientifiques sont déjà confrontés à des défis pour comprendre et décrire le comportement des particules. Introduire l'élément du temps induit des changements signifie qu'il est presque impossible de déterminer l'âge de l'univers, ou en termes mathématiques, hautement élusive. Ici, nous rencontrons un point fascinant, invoquant l'un des scientifiques les plus renommés de l'Antiquité, Hermès Trismégiste, au IIe siècle avant B.C.M. J.C. Hermès Trismégiste a articulé la nature de l'univers à travers une collection de vers connus sous le nom de Hermétique. Dans ce résumé, le polymathe explique la géométrie et le plan du cosmos avec des formules telles que « comme en haut, ainsi en bas » et « ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur ». Ce qui est dans le grand se trouve aussi dans le petit. Dans le domaine de la recherche en physique quantique et des particules, il y a une frontière que Hermès Trismégiste a suggérée il y a des siècles. Alors que les chercheurs explorent les royaumes infinitésimaux, décomposant les atomes, en constituant progressivement plus petits, comme les électrons, les neutrons et les protons, ils rencontrent des particules comme les quarks. Bien que certaines particules puissent être comprises et mesurées, elles atteignent finalement un point critique, communément appelé « flou », par le physicien allemand Werner Heisenberg. Au-delà de ce point, le comportement des particules devient si imprévisible que la mesure précise devient insaisissable. Les particules échappent à la mesure à ce niveau et leur description devient difficile. De même, une transformation se produit au-dessus d'un seuil particulier dans les phénomènes à grande échelle le long du continuum temporel. Le comportement des particules subit un changement, les rendant difficiles à détecter ou à décrire de notre point de vue. Si cela est vrai, nous avons maintenant rencontré le flou cosmique, s'alignant remarquablement avec la prophétie ancienne d'Hermès Trismégiste, comme en petit, ainsi en grand. Des milliers d'années plus tard, cette révélation suscite des considérations intrigantes sur l'avenir de l'astrophysique. Cela signifie-t-il la fin de l'astrophysique ? Certainement pas. La curiosité humaine et les avancées technologiques nous propulseront probablement plus profondément dans le cosmos des particules les plus petites. Cela favorisera le développement de nouvelles méthodes pour surmonter le seuil de flou. Tout au long de l'histoire, les scientifiques ont constamment embrassé de nouvelles dimensions et idées, affinant leurs techniques pour plonger plus profondément dans les complexités de notre monde et du cosmos. Les défis actuels auxquels sont confrontés l'astronomie et la cosmologie ne sont donc pas sans précédent. Malgré notre accès à des images impressionnantes capturant plus de 93 milliards d'années-lumière de l'univers et notre capacité à déchiffrer de nombreux phénomènes célestes, le cosmos reste un vaste domaine avec du matériel pour des millénaires de recherche. Résoudre les énigmes entourant l'origine de l'univers a été une quête humaine persistante. La recherche pour comprendre le début de l'univers a la promesse d'éclairer les questions profondes de notre existence et son sens. Si notre univers suit un cycle interminable de naissance, de croissance et de déclin, ces principes pourraient transcender les limites de la cosmologie, influençant divers aspects de notre existence. Des millénaires dans le passé, des cultures anciennes comme les Védas ont articulé le concept de multivers et le schéma cyclique de notre existence, c'est-à-dire naissance, vie, mort et renaissance, nous représentant comme des entités immortelles. La certitude des découvertes et du travail de Gupta reste inconnue pour l'instant. Ce que nous comprenons, cependant, c'est que son travail remet en question de nombreux modèles actuellement acceptés de l'univers, nécessitant une réévaluation des cadres établis. Cela représente un obstacle significatif. Le processus scientifique, habile dans l'observation, les tests et la vérification, examinera maintenant la proposition de Gupta. Déterminer l'exactitude de ses recherches est une tâche à venir et pourrait prendre du temps. Penses-tu que ces mesures d'étoiles et de galaxies anciennes doivent être révisées ou revisitées ? Ou le travail de Gupta suggère-t-il une réévaluation potentielle de notre compréhension fondamentale de l'âge de l'univers ? L'univers a-t-il réellement 27 milliards d'années ? Ou est-ce un cas d'un physicien se plongeant dans les mystères du cosmos
et se laissant emporter. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que tu es encore là, assure-toi de cliquer sur la vidéo à l'écran pour découvrir plus de vidéos époustouflantes comme celle-ci.